Ah, nous sommes nous-mêmes le processus de la vie. Et ce processus met en place ce que la vie manifeste. Une vision de ce que la vie, elle est au plus profond, au plus sacré. Donc ce que nous sommes, c'est l'émergence de ce qui est beau. Pour faire cela, il est nécessaire de comprendre qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être cela, d'être l'émergence de la beauté, de l'harmonie, de la joie, de la paix. Il y a quelque chose qui t'empêche. Et cela, ce n'est que toi-même. Parce que tu as décidé d'être celui qui veut exister. Et la vie, comme ce qui est dans la vie, ce qui est proposé par la vie, c'est que tu ne sois pas là. Parce que ce que tu es, c'est une invention. C'est un château de cartes que tu t'es inventé. Et en fait, tu veux exister à travers ça. C'est l'ego, c'est le personnage. C'est tous nos envies, nos réussites, tout ce que nous avons fait pour être aujourd'hui dans cette position, dans cet état, cette notoriété que tu as. Donc, tout ça empêche la vie de se mouvoir. Parce que la vie, elle est l'harmonie. Et elle ne force pas. Il lui faut de la liberté pour qu'elle existe. Une liberté de ce que tu te proposes d'être. Parce que ce que tu te proposes d'être empêche justement à l'harmonie de s'installer. La race humaine, nous sommes dans l'émergence d'un changement majeur de toute la condition humaine. Mais ça prend du temps parce que nous sommes habités par le temps. Et le temps, c'est notre ego. Et l'ego veut exister. Et quand il existe, alors il solidifie le temps. Il cristallise le temps. Il y a donc un hier, un aujourd'hui et aussi un demain. Et dans ces conditions-là, nous sommes prisonniers de ce temps. C'est-à-dire, l'esprit qui s'est identifié au personnage que nous jouons, le rôle que nous jouons dans le monde aujourd'hui, est prisonnier des rôles qu'il joue. Donc, l'esprit n'est pas en harmonie, il est divisé entre ce qui est joué et ce qu'il y a. Ce qui est joué, c'est celui qui veut arranger les choses pour que ce soit au goût de la zone de confort qu'on s'est donné d'avoir. Mais il y a au-delà de toute cette activité, il y a ce que la vie veut mettre en place. C'est pas que la vie veut mettre en place, mais la vie, elle est un processus qui fait que tout doit changer. Tout ne peut pas être dans les habitudes et les train-train. La vie, elle va casser tout ce que tu as construit. Tout ce que tu as cru être vrai. Tes croyances, tes idées, tes conclusions. La vie va casser tout ça. Soit que tu acceptes, ou soit que tu résistes, le destin est scellé. Tu ne peux pas faire barrage à la vie.
Tu peux croire, mais ce que tu es au plus profond de toi-même, cette émergence, ce sacré, cet ordre, quand tu n'es plus en dualité, il y a l'ordre, ça veut dire que le personnage que tu es s'est mis de côté. Et alors la vie peut accomplir son dessein. Ce que tu es pour de vrai n'est pas le personnage, mais la vie. Et la vie est là pour accomplir son dessein. Ça émerge, ça coule. Malgré qu'il y a une résistance, malgré qu'il y a les peurs, tout ça, c'est le processus de la vie pour faire en sorte que tu sortes de cette chenille pour devenir le papillon. Tu te métamorphoses. Métamorphose pour être ce que la vie propose. Et pour avoir ça, il y a une vision qui est nécessaire de capter. Et c'est la vision de ce qui est sacré. Et cela peut être vu quand tu fais attention à tout ce qui se passe dans ta vie. Quand tu vois tes douleurs, tes souffrances, les peines que tu as, quand tu résistes à ce qui est proposé, à ce que la vie propose, quand tu résistes à tout ça, quand tu veux absolument faire ton chemin seul dans ta petite bulle, séparé de tous les autres, quand tu veux braver l'amour que la vie met en place, parce que tu as peur, alors cette peur appartient à ce personnage. Ce personnage qui veut résister, c'est la résistance du personnage. La résistance de celui qui ne veut pas lâcher prise. Parce qu'il croit savoir. Il croit avoir atteint. Alors qu'il n'y a rien à atteindre. La croyance fait que ça bloque le passage de la prestation que la vie propose. Si tu t'identifies à ce personnage, alors tu es l'ennemi de toi-même, parce qu'il y aura un duel entre ce que la vie elle est, qui est toi, et ce que tu aimerais être. Ce que la vie elle est, c'est ton expression. L'expression vivante d'un esprit qui n'est pas embarqué par tout ce qui l'entoure. Qui n'est pas embarqué par le plaisir que le monde offre. Qui n'est pas embarqué par la solitude qu'il y a de voir qu'il n'y a rien à gagner. Parce que tout ce qui est proposé, c'est le chaos. Le chaos, la dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être, c'est ce que tu vois autour de toi dans le monde. C'est le résultat de ce que tu as fait, comment tu as réagi, et c'est ça que tu vois dehors. Le monde, c'est toi, et toi, tu es le monde. Tu es ce que tu as fait. Mais tu le renies. Quand tu le vois, tu le renies. Tu ne voudrais pas que les gens t'accusent des guerres, des misères qu'il y a dans le monde, de la dispute, des mensonges, de tout ce qui se joue dans l'arrogance.
Tu ne voudrais pas qu'on t'accuse de tout ça. Donc tu renies ce que tu es et tu ne l'acceptes pas. Donc tu le combats. Tu combats ce que tu es. Tu combats toi-même. Tu es en face de toi et tu essayes d'arranger ce que tu es pour que ce que tu es devienne mieux. Donc, tout ce qui se passe autour de nous, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas toi là-bas et moi ici. Il y a nous. Et si je te vois, c'est que je me vois moi. Et vouloir arranger ce que je suis, ce serait de l'arrogance. Ce serait te demander d'être au goût de ce que je veux. Donc, quand il y a acceptation, quand il y a accueil de l'autre, comme ce que tu es et en face de toi, tu t'accueilles. Et quand tu t'accueilles, alors tu peux embrasser ce que tu es, sans comparer, sans juger, parce que dès que tu juges, tu es automatiquement dans la division. Tu ne vois pas les choses comme elles sont, tu vois les choses comme tu aimerais. Et là, tu deviens individuel dans ton petit monde. Or, il n'y a pas moi, il n'y a pas toi, il n'y a pas l'autre et nous. Il y a juste l'ensemble. Et l'ensemble ne fait qu'un seul tout, indissociable. Nous sommes un. Et ce un, s'il n'est pas accepté en soi, il y aura la dualité. Nous serons en dualité avec le bien-être et le mal-être. Nous voudrions garder le bien-être et rejeter le mal-être. Nous voudrions garder le bon et rejeter le mauvais. Nous voudrions garder la réussite et rejeter ce qui n'est pas la réussite. Donc, en soi, il y a une dualité. Parce que tu es face à toi-même et tu n'acceptes pas de voir que ce que tu as en face de toi, c'est tout ce que tu as produit. Le produit de l'être humain est en face de lui. Maintenant, nous nous sommes identifiés à tous ces états que nous voyons. Et nous préférons être dans l'état de bien-être que dans l'état du mal-être. Alors, si tu es comme ça, si tu t'identifies au bien-être et tu veux rejeter le mal-être, alors tu es dans la dualité de ce que le mal-être et le bien-être proposent. Et tout le temps, ce sera la même bataille, parce que le bien-être va faire entrer le mal-être et le mal-être voudra faire entrer le bien-être. Donc il y a une constante bagarre entre les deux. Et quand tu es présent, en voyant ça, alors tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es celui qui voit, celui qui est présent et qui peut être témoin de ce que tu es. C'est ça, se connaître soi. Se voir en face, tel que l'on est, sans vouloir faire en sorte que tu puisses arranger quelque chose. Tu acceptes. Et dans cette acceptation, il y a l'accueil. Et dans cet accueil, il y a un processus qui crée le changement. Le changement de ce qui est incongru. Et il y a en fait l'ordre qui s'installe dans la scène en face de toi. Tu n'es plus en dualité avec rien. Tu es en harmonie avec tout ce qui vient et tout ce qui part. Tu acceptes. Et celui qui accepte ne subit pas. Parce qu'il voit ce qui se passe.
mais il n'est pas celui qui joue le rôle de ce qui se passe. Il n'est pas ni dans le bien-être, ni dans le mal-être. Il en a fini avec ça. Tu es rien d'autre que celui qui voit tout ça. Se voir tel que l'on est, sans vouloir interférer. Fais en sorte que l'harmonie se met en place. Parce que, à partir du moment où tu veux arranger les choses pour être à ton goût, ben tu crées ce qu'on appelle le chaos. Et le monde, comme tu peux le voir, il y a en ce moment le chaos. Et tu vois, à partir de ce chaos, nous sommes tous concernés de savoir qu'il y a quelque chose qui peut nous unir. Et là est le sens profond que prend ta vie, de savoir que tu es l'acteur de ce qui est harmonieux. Mais pas pour moi. Il n'y a pas moi, il y a juste l'harmonie. L'harmonie est là quand j'accepte de ne pas comparer, de ne pas réagir à ce qui est bien ou pas bien. Donc cette harmonie se met en place. Donc la vie émerge et elle met sur place, elle met sur pied un autre paradigme où tout le monde évolue ensemble pour pouvoir voir quelque chose qui est dans la vision de chacun. Et la vision de chacun, si on est en paix, on voit l'éternité, on voit ce qui est divin, on voit ce qui est absolument sacré. Et cette émergence qui vient de toi, si tu le laisses être, elle va agir dans le monde. Et la vie est un long processus pour mettre en place l'harmonie. L'harmonie qui se construit depuis des millions d'années. Et nous sommes là, chacun d'entre nous, depuis des millions d'années. Et nous devons sortir de ce temps des millions d'années pour pouvoir créer cette envergure de ce que la vie propose pour faire en sorte que le temps disparaisse. Parce que quand tu es dans cet état d'acteur qui regarde les choses sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, tu es hors du temps et ce que tu es met en place une vie, une dimension où le temps s'extompe. Il n'y a que la paix, la joie d'être vivant, parce que ce que tu es, c'est vivant, c'est sacré, et c'est ce que tu es. Et chacun d'entre nous, on le sait au fond de nous, parce que c'est inscrit. Je ne suis pas en train de te raconter une tempête. Tu peux le voir pour toi-même. Si tu enquêtes sur le processus de comment tu vis, de qui tu es, tu vas t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui veut se mettre en place. Mais tu vas comprendre aussi combien il y a une résistance dans tout ça. Et la résistance, ce sont tes peurs. La peur de ne plus avoir cette petite vie. Cette petite vie de privilège où tu te vautres dans tes plaisirs et dans tout ce que tu as pu gagner pour te réjouir de ce qui est éphémère. Parce que la grandeur d'être responsable de l'avenir de tes enfants, de l'avenir du monde autour de toi, appelle au sacrifice, appelle à la compassion, appelle à un être qui a décidé d'œuvrer, non pas pour lui,
ni pour sa famille, ni pour quelqu'un, mais pour l'humanité. Et chacun d'entre nous, on a ce destin. Que tu aimes ou pas, c'est ton destin. Et c'est la destinée la plus énergisante que tu peux expérimenter. Parce qu'elle est guidée, non pas par ce que tu connais, non pas par tout ce que tu as appris, mais elle est guidée par l'énergie qui fait en sorte que l'harmonie se produit. Cette énergie-là, elle met de l'harmonie. C'est ce que nous sommes, chacun d'entre nous, c'est cette énergie qui arrive et qui met de l'ordre. Et cet ordre n'est pas tant ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce que tu es. Parce que quand tu es en ordre, alors toutes tes actions sont justes. Tes actions sont celles qui viennent du sacré, mais pas d'un contentement éphémère que tu aimerais avoir. Parce que alors là, tu vas agir selon la demande égocentrique, et cette demande égocentrique, elle est individuelle, et nous sommes des milliards sur la Terre individuels à vouloir mettre en place cette demande égocentrique, et c'est pour ça que nous vivons dans le conflit, la confusion, et que nous ne sommes pas un, nous ne voyons pas que nous sommes le un qui fait l'ensemble. Nous croyons que nous sommes différents les uns des autres parce que nous sommes enfermés dans une petite bulle où on construit ce qu'on appelle ma vie. Mais il n'y a pas ma vie. C'est une erreur. C'est une illusion. Il y a juste la vie.